Comment ça s'est passé, la campagne en tant que telle? Comment vous vous sentez aujourd'hui, là? Ben, je me sens très bien. Cette campagne-là, ben, écoutez, on a pris le temps de voir les gens. On a regardé un peu aussi qu'est-ce qui se passait au niveau des enjeux, que ce soit au niveau économique, au niveau culturel, au niveau communautaire aussi. Donc, c'était une belle occasion justement de se remettre à jour avec certains dossiers, mais aussi c'est de prendre le temps d'écouter les gens. Je pense qu'avec les résultats qu'on a eus hier soir, je pense que les gens aiment beaucoup ce qui a été fait, notre bilan. Alors, j'ai hâte de voir avec le nouveau conseil de quelle façon qu'on va travailler. C'est sûr qu'il y a des changements majeurs. Écoutez, on a Steve Girard de l'ancien conseil qui reste. C'est sûr que dans l'ancien conseil, il y en avait 4 qui ne se représentaient pas. Donc, c'est ce qui fait un renouvellement majeur. Donc, c'est certain que là, on a des gens avec des expertises très variées que je pense qu'ils vont me permettre d'avoir vraiment un conseil municipal qui va être intéressant parce que ça va nous permettre vraiment de positionner chacun sur différents dossiers. Parce que c'est ce que je souhaite avec ces conseils-ci, c'est que chaque conseiller puisse avoir un dossier en priorité. Mais aussi, c'est de voir de quelle façon qu'on va relever le défi, entre autres au niveau du développement économique, au niveau aussi de l'attractivité pour la ville de Matane. Alors, notre nouveau conseil, alors il y a Steve Girard qui est l'ancien conseil, mais ensuite Eddie Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Annie Veillette et Eddie Métivier. Et merci beaucoup aux gens qui ont exercé leurs droits comme citoyens, parce qu'il faut dire que c'est important. On voulait avoir une augmentation au niveau du taux de participation. On est un petit peu plus bas que la dernière campagne électorale municipale. C'est sûr qu'il a fait mauvais dans l'après-midi. Il y a eu de la neige. Je sais que les gens de Saint-Luc, c'était comme pas évident. Donc, écoutez, du moins, merci beaucoup pour cette participation. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, j'avais envie de faire un nouveau mandat et on va travailler avec le nouveau conseil pour relever de très beaux défis. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.